monde, c'est Céline. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous prends aujourd'hui pour un unboxing Oraloa. J'ai reçu ma dernière commande qui est un énorme coup de cœur. Hein. Ça en fait en ce moment des coups de cœur. Donc, trop contente de pouvoir découvrir ça avec vous. J'ai volontairement laissé dans le carton pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça arrive hein, chez Oraloa. Donc on a ce carton qui englobe la toile et vous voyez tout un rembourrage là de calage. Je sors ça tout de suite. Ouf, belle bête. Oh là là, elle est grande. Alors dans ce carton, on a ceci et c'est tout. Hop. Attendez, je vérifie parce qu'il y a un bout de... Non, c'est du rembourrage au fond. J'ai quand même voulu vérifier au fond du carton. Dans le rembourrage, on ne sait jamais. Et j'ai bien fait parce que regardez ce que j'ai trouvé. Eh, sérieusement. Oh, non, mais sérieux. Toujours regardez au fond du carton. Même si vous pensez qu'il n'y a plus que du rembourrage, on ne sait jamais. Allez, on regarde du coup tout ce qu'il y a là-dedans. Et il y en a des petites choses. Oh, ah ouais. Alors, j'ai... La... Ah mais celle-là, je l'ai vue sur le site Oraloa. Je la veux cette toile, elle n'est pas trop belle. Je l'ai vue, style de rien, là, elle traîne en bas de la page du site internet. Non mais ben ça veut dire que ça arrive. C'est quoi? Rosalina Musical Heart. Oh là 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 là. Oh là là les gars, celle-là va me la falloir. Oh, elle est trop belle cette carte. Ça aussi du coup, bon chez moi un paysage, mais du coup ça aussi ça doit être une future sortie Oraloa. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, les petites cartes ça a l'air d'être des sorties Oraloa. J'ai un sticker, vous voyez pas d'accord. J'ai la petite carte de remerciement. Puis là j'ai carrément un beau sachet de strass, oh, ils sont magnifiques. Turquoise là, un peu vert d'eau, turquoise, ils sont canons. Des strass ronds. J'ai une petite fleur. Encore un sticker. Oh, mais j'ai des tonnes de trucs. J'ai un cabochon en résine plate, comme ça, pour le transformer en cover minder du Tiki. Excellent, c'est excellent. Et j'ai plein de... Oh non, mais j'adore. Ah, je vais récupérer des aimants. Il va falloir que je récupère des aimants. Et j'ai plein de petites choses, là, regardez. Hop, c'est pas trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Ah, excellent. Et la fameuse carte à gratter, on y va. Hop. En fait, vous... Ouais, je ne vous ai pas mis dans le bon angle, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut 3 tikis avec une... pour gagner une toile. Ça commence très mal. 1 tiki, 2 tikis. Oh, vous imaginez ou pas? À chaque fois, j'y crois. Hein. Il y en a toujours 2. Oh, j'y ai cru. Oh là là, j'y ai cru, c'est quoi ça? C'est pas un tiki ça? Non, c'est pas un tiki. Oh, je vous jure, j'y ai cru. Enfin bon. Voilà. Parce que regardez le troisième là. J'y ai cru, je sais pas ce que c'est, mais bon, clairement, c'est pas un tiki. C'est perdu, et voilà. Bon, de toute façon, je vais pas vous faire attendre 25 ans. Voilà, j'ai craqué sur la fée colibri de Laure Félipon. Mais, juste regardez quoi. Mais regardez. Non mais sérieux, ce dessin. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo de Pauline, de Mamselle et ses loisirs, elle a unboxé les 4 derniers portraits de Laure Félipon. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'en ai un deuxième aussi à vous ouvrir en vidéo. Elle dit des mots à sujet de ce dessin avant d'ouvrir le carton et je suis 100% en raccord avec ce qu'elle pense. Cette image, elle m'inspire de fou. Je la trouve douce, apaisante, elle est lumineuse, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, si des 4 je n'avais dû en avoir qu'une, il aurait fallu que ce soit celle-là. Voilà, donc j'ai très hâte de voir la toile, de voir les diamants. On va regarder ça ensemble. Donc le carton, il est arrivé. Ah, on a un blister par-dessus. On va enlever. Alors c'est un grand format, hein, 70 par 70.
Mais là, bon. Franchement, elle aurait pu faire 1m50 que je l'aurais prise. Hein. Allez, allez. Donc, la miniature, vous la retrouvez ici avec toutes les informations de la toile, le format, le type de diamant. Donc là, ce sont des diamants carrés. Et vous la retrouvez également, je ne vais pas avoir le recul nécessaire, si, sur la petite tranche du colis, du carton plutôt, enfin sur le petit côté, voilà. La miniature, l'artiste et le nom de la toile avec la référence. Pour celles qui empilent leur carton, c'est quand même pratique de savoir à quelle toile on a affaire. Ouais. C'est grand. Je sais même pas si... Ouais, il va falloir que je prenne du recul pour vous montrer tout ça. Alors. Alors, si vous n'avez pas vu, je reviens hein, sur la vidéo de Pauline. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, allez la voir parce que du coup, vous avez un visu sur les quatre derniers portraits de Laure Philippon. J'ai pas regardé le site Oralo avant de filmer. À chaque fois, je me fais avoir. Mais je pense qu'ils sont encore tous dispo. Hein, donc, c'est juste des tueries. Des tueries. Alors. Allez, on va pas attendre plus que ça. J'ai juste la largeur qu'il faut sur le bureau. Pas un centimètre de plus. Oh mon Dieu. Oh là là, les couleurs. Oh les couleurs. Oh, oh là là, mais attendez, attendez, attendez. 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 Oh non, j'aime trop. Oh la vache. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Ah, c'est trop trop beau. Mais regardez. Bon, ça y est, je suis déjà à fond. Ça y est, je suis déjà à fond. Ça y est, je sais plus quelle toile je vais devoir commencer. Je voulais commencer la Maud la Moine que je vous ai montrée en sneak peek, mais elle n'a toujours pas commencé parce que voilà, pour diverses raisons. Du coup, bah, je sais pas. Je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus. Puis attendez, je vais ouvrir potion après. Enfin là, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais faire l'unboxing de potion, donc un des autres portraits. Ça va être un autre problème, ça aussi, parce que c'est genre violet de partout. Donc bon. Alors, je la roule dans l'autre sens et je vous reprends tout de suite. Voilà, allez, je vous l'installe sur le bureau. Oh là 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 là. C'est pas du tout le bureau qu'il faut. Mon Dieu, quelle beauté. Quelle est belle, mais quelle est belle. Mais quelle est belle. Oh non, mais c'est ça, c'est trop. C'est trop. C'est trop, les gens. Attendez. Je vais me reculer un peu, vous ayez bien le visuel en entier. Non, elle est exceptionnelle. Je vous promets, cette toile, elle sera affichée chez moi quelque part. C'est obligé. Obligé. Pff, ce visage, les fleurs, la couleur des fleurs dans ses cheveux. Non, 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 c'est pas possible, c'est, ah non, elle est trop, 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 trop belle, ah, elle est trop belle, oh là là, ah non, je suis sous le charme absolu, vraiment sous le charme, bon. Ah, j'ai pas les mots là, je vous jure, j'ai pas les mots, alors attendez, je vais rapidement donc... vous faire un petit tour de ce qu'on retrouve dans ce kit. Donc on a le flyer Oraloa qui nous donne des petites instructions, des petits conseils, etc. Notamment pour replacer le protecteur. Je le ferai hein, parce que vous voyez qu'il y a des creux. Mais bon, je le ferai plus tard parce que là la toile est grande. Je m'installerai ailleurs. On a une feuille de route avec le visuel. Mais sérieux. Ah non mais... Oh qu'il est beau ce dessin, c'est un truc de fou. 55 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5 AB. Les étiquettes sont prédécoupées, hein, comme d'habitude. Donc toute la feuille de route est adhésive. Et donc c'est bien 70-70. La fée colibri.
Oh là 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 là. On a un tout kit et je vois que ça doit être un des tout kits récents puisque j'ai un sachet bien large. Mister Plateau sort sans problème. Hop. Le stylet avec le squishy. Voilà. Un embout de 3, un embout simple et un embout de 9. La petite colle avec 3 pains de colle dedans. On a la barquette blanche avec le bec verseur. Mais ne regardez pas mes mains, on est bien d'accord, la maison, c'est ils ont fait la guerre. On s'en fout total de mes mains, ce qui compte, c'est ça là, ça, ça, ça. Donc j'avais qu'à pas en parler en fait, hein, mais bon, tant pis. Donc le plateau avec bec verseur. J'ai une pince verre d'eau cette fois, comme je vous l'ai déjà dit et re-redit et re-redit, je l'adore cette pince. Et là, j'ai le fameux washi tape Oraloa. Voilà, une belle longueur. Hein. Donc super tout le kit, il n'y a pas à dire. Oh, sérieusement. Sérieusement. Oh là là. Donc, revenons au diamant. Alors, je vais ouvrir le sachet, je reviens. Voilà, donc j'ai ouvert le sachet, vous avez l'étendue des couleurs là-bas. J'ai sorti les AB, qu'on puisse les regarder plus en détail. Il y a énormément de cette référence qui est la 37, la 37, le 37-70, hein, qui va sûrement être une majorité du fond. Un pêche, pêche jaune très clair. On est vraiment dans des couleurs, oh là là, c'est tellement, tellement lumineux, j'adore. Les diamants sont en résine. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a beaucoup de rose et de violet pour les fleurs. Enfin, c'est juste magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça fait du bien, limite. Ça fait vraiment du bien au moral, ces couleurs. Alors, en AB, on a le blanc. 5200, je dis pas de bêtises. Ouais, 5200. On a du orange. Du rose. Alors, 602, 603, 602. Ah, je m'améliore. Hein. Voilà, du rose AB. Bon, pas très bien, mais ouais, voilà. Un autre rose, un peu plus rouge celui-ci. C'est quelle référence? 601. Et un violet AB. Alors là, je verrai, parce que du coup, vous voyez, là, il n'est pas violet, il est vert. Donc, ça dépend où il ira et en quelle quantité il ira. C'est le 550, ouais. Peut-être remplacer par des strass celui-ci. Si je trouve que ça dénature trop la couleur. Alors, je suppose d'avance que, à part le blanc peut-être, hein, qui va se retrouver sur des plus grandes zones, que ces AB vont dans les fleurs. Attendez, est-ce que je vous sors... J'ai envie de vous mettre une petite... Je sais pas. Bah, on va prendre de... Oh là là, j'hésite pour rien. C'est débile. On va prendre une des teintes du fond. On va regarder ça. Voilà. Oula. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre, il a décidé de râler. Ouais. Nickel. Et les AB, alors. Oh purée, j'ai fait une cata. Oh bah bravo. On est foutu partout. Ah Céline, attendez. Alors avant peut-être d'aller chercher les AB, je vais vous faire un petit zoom sur les diamants que vous puissiez avoir une idée. Du panel des couleurs. On y va, je vous embarque en voyage. Hop. Et on va se rapprocher des diamants. Donc vous voyez, pas mal de violet, de prune, de rouge, d'oranger, de pêche, prune. Là on a un peu d'espèce de rouille, trop jolie.
Donc le fond, bah vous voyez plus rien. Et là-bas, tout un panel de couleurs. Oh là là, regardez-moi ça. Voilà quoi. C'est juste trop joli. Pardon, c'est juste trop trop beau. Regardez. Les fleurs dans ses cheveux, c'est juste... c'est un feu d'artifice, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Alors, le blanc AB. Stylé. Stylé, stylé. Comme d'habitude, j'ai perdu celui que j'avais sorti. Le blanc AB, c'est le tiret. J'en ai là. Je suppose que j'en ai dans le fond. Voilà, j'en ai dans le fond. Hein. Donc, ouais. J'en ai pas mal dans les autres. Oh, vous voyez pas bien. Dans cette zone-là, parmi les carrés les plus blancs, il y a du blanc AB. Pas que, hein, mais il y a du blanc AB. J'en ai un peu aussi dans le colibri. Les zones très blanches du colibri là-haut. Pour mettre en lumière les reflets. Et c'est à peu près tout pour le blanc. Voilà. Le orange AB qui est le symbole spirale. Donc celui-ci. Donc ouais, bah ouais. En petite touche dans les fleurs. Et les feuilles de ses cheveux. Par ici j'en ai un petit peu. Mais vraiment en toute petite touche, hein. De toute façon, vous voyez, j'en ai très très peu. Et généralement, on a quand même beaucoup de râpes, donc c'est que j'en ai vraiment pas beaucoup à poser. Le 601 qui est le rouge, un petit peu... enfin, le rose, un petit peu rouge. C'est quoi comme symbole? Le L. Il est dans cette fleur. Est-ce que vous voyez ce que je montre là? Oui. Il est dans la grande fleur qui est là-haut. Le L. J'en ai un petit peu ici aussi. Bon, de toute façon, je l'avais. C'était évident hein, que les AB, ils allaient être dans les fleurs. Et j'en ai un petit peu là aussi, dans ce qui tombe de ses cheveux. Là. Encore un peu là. Bon, le L est parsemé dans toutes les zones roses, là, des fleurs. Je suppose que du coup, le 602 aussi, c'est le M. Le M, bah ouais, c'est au même endroit. Donc cette fleur là, ici aussi, là, là, enfin je dis ça, je vérifie même pas, si si, là, là aussi j'en ai, un petit peu là aussi, ok, bon je vous ai dit l'essentiel et le violet, bon bah écoutez, je pense qu'il va dans les fleurs aussi, hein. Le J. Tout à fait, voilà, donc là, cette zone un peu foncée là, c'est du AB. Et le détour là du... ah, pourquoi pas alors. Ça peut être pas mal du coup. Ça vient en espèce de détourage des pétales là, ou des feuilles, ou je sais pas ce que c'est. Mais ouais, là, tout le liseré plus foncé, c'est le AB violet. Bon, pourquoi pas, je tenterai. Je tenterai parce que je suis pas sûre que ça ressorte aussi bien avec du strass du coup. Voilà, pour le J, je regarde un peu ailleurs. Oui, bah du coup, là aussi. Attendez. Ouais. Vous voyez un petit peu, ouais, voilà. Pareil, hein. Tout le liseré plus foncé, là, c'est du AB violet. Elle est canon. Elle est tellement belle, cette toile. Elle est tellement belle. Ce dessin, il est incroyable, juste. Il est juste incroyable. Ah ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Attendez, j'ai pas testé la colle, je vous ai pas montré la toile, mais bon, vous la connaissez, hein. De toute façon, on a deux tables des matières, je reviens dessus vite fait quand même. Mais j'ai pas le recul, en fait. Ici et là-bas. Voilà. Oula, revenez. Comme d'habitude, vous avez le logo Oralois en haut, la signature en bas, tous les réseaux où vous pouvez les retrouver. Et on est sur une toile. Fais pas tout tomber, Céline. Avec un envers... très doux, type coton, là. Et
Allez, on va aller au bout du truc. Je vais tester un peu la colle. Mais j'ai jamais rencontré de problème chez Oraloa pour la colle. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Zouf. Bah écoutez, voilà. On va finir sur cette jolie, jolie, jolie image. Je suis trop contente. Je suis trop, trop contente. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire l'unboxing de potions, hein, qui est aussi un magnifique portrait avec beaucoup, beaucoup de violet. Et après, je me décide. Voilà. Mais si vous pouviez m'aider, mais celle-ci... En plus, ça fait pas trop... le printemps arrive. Oh, on respire, on s'apaise, le soleil, tout ça, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, bon, peut-être celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont encore là à la fin. Je veux bien votre avis en commentaire. Je vous remercie encore d'ailleurs de tous vos commentaires à chaque fois. C'est trop un plaisir de vous lire, trop un plaisir de vous retrouver sous mes vidéos à chaque fois. Voilà, allez, on termine par un beau voilà. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.